Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la guidance de septembre 2022. Septembre, la rentrée. Avant, j'avais quelques petites, tout au moins une information à vous faire passer. Alors, j'espère que vous avez tous et toutes bien passé cet été 2022 qui fut très très chaud hein, pour la majorité d'entre nous. Alors, la rentrée approche, bien sûr, avec son lot de surprises. Pour ma part, je voulais vous parler d'un petit projet que j'envisage de faire. La chaîne grandit, c'est grâce à vous. Et je me disais que je me devais de vous remercier. Aussi, j'envisage de mettre en place un petit concours dès lors que les 1500 abonnés seront atteints. Donc, je vous encourage bien sûr à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Hein. Pour vous mes abonnés, eh bien, bien sûr, à me rester fidèle, mais vous l'êtes de toute façon. À faire connaître ma chaîne autour de vous, famille, amis, collègues. N'hésitez pas, mais surtout, abonnez-vous. Dès lors que nous aurons atteint les 1500 abonnés, nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, j'envisage de faire un petit quelque chose. Voilà, voilà. Les choses sont dites. Je tenais vraiment à vous en parler. Alors, septembre 2022. On va faire un tirage général avec le jeu de 32. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Alors, pour les personnes qui m'ont demandé, malheureusement, je ne peux pas leur dire où je l'ai eu. Car il est, oh là là, il a au moins 30-35 ans ce jeu. C'est un de mes tout premiers jeux d'ailleurs. Donc je ne sais plus, je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Mais c'est un jeu classique, hein, un jeu de 32 cartes classique. Voilà, mais là il m'est propre bien entendu et j'y tiens. Ensuite nous ferons par signe astrologique une coupe et deux cartes avec le Lenormand. Alors, petite nouveauté. Dans mes périples de cet été, car je pense toujours à vous, j'ai pensé à vous, je pense à la chaîne, j'ai craqué sur un nouvel oracle du petit Lenormand, une version genre moderne si l'on veut, mais vraiment j'ai eu un coup de cœur, parce que ce qui m'a plu, c'est qu'en fait c'est pratiquement le format, la carte d'un tarot, et ça reste un petit Lenormand, j'ai vraiment adoré. Alors vous me direz bien entendu ce que vous en pensez, parce que c'est votre avis qui compte. Mais voilà, je vais faire pour ce mois de septembre avec le petit Lenormand. Donc, deux cartes pour vous, signe astrologique et la coupe. Voilà, voilà. On terminera avec, bien entendu, une carte message de l'oracle des plumes. Voilà, nous allons commencer tout de suite pour notre mois de septembre 2022. Comment va se profiler cette rentrée, les amis, j'espère pas trop mal en tout cas, rentrée des classes pour les enfants, rentrée du travail, rentrée de quand on a des activités, qu'on est inscrit à un club, à des clubs, à des vous savez, des associations, voilà, tout se remet en place aussi, les voyages, les concours X raisons. Alors on y va à la coupe. Démarches, papier ou petit remboursement d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir aussi des démarches auprès pour votre homme ou pour votre fils, pour un, ou auprès d'un jeune homme en tout cas. Hein. Des papiers administratifs qui risquent de vous mettre en colère pour cette rentrée de septembre. Des démarches qui vont peut-être pas aller dans le sens que vous souhaitez. Ça peut être effectivement pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère. En tout cas, il est bien question d'hommes, ou peut-être une rivalité, un petit souci avec deux hommes. Voyons voir comment ça vous parle. Alors, pour notre tirage, hop, nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Hop. Voilà, alors vous les voyez, ce qui m'apporte toujours comme d'habitude, c'est que vous les voyez. Alors,
nous avons, vous allez avoir des nouvelles, hein, waouh, des nouvelles d'une signature qui était, ma foi, retardée ou bien bloquée. Attention, elle était peut-être bloquée, peut-être avec des gens pas bons autour de vous. Quoi qu'il en soit, c'est bien pour vous, ma consultante, mon consultant, vous inversez. Ou bien, en tout cas, une femme brune, peut-être que c'est elle qui vous bloquait les affaires d'ailleurs. Hein. Il y a votre homme de cœur qui est là. Et ça touche le domaine familial, c'est très officiel en tout cas. Et votre fille, votre meilleure amie, est dans le coup. Ou alors, c'est vous, si vous avez les cheveux clairs. Moi, je le dis toujours, j'associe les couleurs de cheveux. Ça me semble important. Pour un déménagement, quelque chose du lointain. Ça peut même toucher le domaine professionnel. En tout cas, il y a quelque chose de lumineux qui arrive à un rendez-vous, de l'imprévu. D'autres decks assez très jolis. Déjà, ça démarre bien. D'autres decks très jolis et assez lumineux, hormis le fait que c'était bloqué avec des gens pas bons, vous avez quelque chose, vous allez avoir des nouvelles d'une signature. Alors, en dominant, nous avons, eh ben oui, par rapport à ce que l'on a vu, des nouvelles sur la signature, on a bien quelque chose d'un domaine de déménagement, grand changement en tout cas. Hein. Oh, et dites-moi, avec des beaux projets qui sont là. Hein. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, les projets sont bel et bien là. Si c'est dans le général, vous avez bien des nouvelles d'un déménagement, d'un changement, et les projets sont là. Attention, on voit une colère. Est-ce que c'est justement à cause, moi j'associe quand même cette histoire, puisque on fait une histoire. Hein. Effectivement, on a bien vu qu'il y avait un blocage avec une personne pas bonne hein, autour de vous. Donc, il y a une colère là qui arrive concernant votre changement, votre déménagement. Et alors, cette colère, elle est peut-être vis-à-vis d'un homme, ou bien c'est pour votre homme, c'est pour une personne, un homme autour de vous en tout cas. Cette personne peut être un peu, on va dire, autoritaire, avoir du caractère également. Et là, nous avons également une personne un peu plus jeune. Ça peut être la même personne, mais qui a un caractère assez froid, assez dur. Cependant, vous pouvez aussi rencontrer ou être en colère par rapport à un homme. Pour vous, mon consultant d'ailleurs, vous pouvez être en colère par rapport à un homme. Ça peut être votre fils d'ailleurs, hein, mais vous pouvez être en colère par rapport à un agent immobilier, un notaire, par exemple. Eh oui, c'est la carte la plus forte, là, c'est les cartes des bonnes nouvelles. Donc, je pense que la colère va être mangée par ce 9 de cœur, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont finir par arriver. Avec certitude, les amis, les bonnes nouvelles arrivent. Et ça concerne le domaine financier. Il y a des projets qui ont dû être mis en place cet été qui, là, vont arriver. Elles ont été peut-être bloquées, retardées, mais en tout cas, vont arriver. Là, il est bien question d'argent. En tout cas, de nouvelles d'argent qui arrivent. Attention, attention, une femme vénale autour de vous qui n'en a pas. Peut-être de la jalousie aussi. N'oubliez pas le valet de pique que nous avons eu. Là, nous avons une dame mal intentionnée. Maintenant, attention, moi, j'aime aussi à dire que dès l'instant où il y a ou le 9 de trèfle ou le 10 de trèfle, là, il y a de l'argent. Ça peut être une banquière, ça peut être quelqu'un en rapport avec le financier. Nous sommes sur un nouveau départ. Nous sommes sur quelqu'un, peut-être grossesse autour de vous, vous pouvez en entendre parler. En tout cas, là, on est sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Attention, ça vous a travaillé, c'est normal. On voit que ça a été retardé, ça a été bloqué, il y a un peu de colère, il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont bloqué autour de vous. Donc effectivement, ce nouveau projet, il est bel et bien là. On voit bien qu'il est en dominant d'ailleurs. Ça vous a un petit peu chagriné, on va dire que c'est tout à fait normal. Il peut y avoir aussi une situation concernant peut-être un homme, un jeune homme, hein, si c'est sentimental, une nouvelle rencontre, quelque chose qui débute, qui vous fait un petit peu peur également. Il va y avoir un petit déplacement. Est-ce que, bon, on n'a pas le roi de pique, hein, puisqu'il est en dos de deck. Il va y avoir un petit déplacement qui vous fait un petit peu peur. Rien de bien grave, les amis. Et voilà, vous allez devoir vous déplacer parce que cette situation, on voit qu'elle est, il y a un contretemps. Il y a un retard. Alors, comme il y a eu un retard, un contretemps, ça vous a travaillé. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir vous déplacer. Alors,
On voit très bien qu'avec un homme, ou pour un homme, si c'est dans le domaine sentimental, on voit que c'est avec un homme, hein, bien entendu. Hein. Ou en tout cas, pour un homme, vous inversez pour vous, ma consultante, il est bien question d'un changement, d'un grand départ, là, d'un quelque chose de, on va dire, un gros changement, oui. Ça vous a travaillé avec certitude, ça vous a miné. 8 de pique, 7 de pique, ça vous a travaillé. Avant que je continue, hop, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait les associations. Alors, 7, 1, 2, et oui, il y a 3, 7. Alors, 3, 7, il y a des petits risques, risques de gruge, de vol, attention. Il y a également grossesse, c'est pas négatif ça quand même. Hein. 8, il y a 2, 8, 10, 1, 2, 3, 3, 10, les amis, il aurait été dommage de passer à côté quand même. 3, 10, changement à l'horizon. Le changement est bel et bien là, on l'a vu. Hein. Même s'il est retardé, il est bel et bien là. Il n'y a qu'un roi, il n'y a qu'une dame, il n'y a qu'un valet. Tu touches, j'ai rien loupé. Vous me le direz sinon. Hop, voilà. Alors, je disais donc avec certitude, quelque chose vous mine. L'argent est là pour un nouveau départ, un nouveau projet. C'est joli cette combinaison. L'argent est là. Attention, peut-être qu'un homme bloque, retarde la situation. Si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que c'est trois pas, on n'a pas en avant, deux pas en arrière. Peut-être qu'il freine un petit peu les choses. Rien de bien méchant. Mais quoi qu'il en soit, là, dans la situation qui nous intéresse, il y a un retard. Il y a un contretemps dû à cet homme. Mais, même s'il y a une colère, elle est mangée par ce 10 de cœur. Colère qui va être complètement atténuée. Vous allez avoir à vous déplacer. Il y a un petit déplacement pour vraiment des bonnes nouvelles. On voit que les projets sont là d'ailleurs. Hein. Il y a une colère sur un nouveau projet parce que peut-être que ça ne va pas aller comme vous le voulez. Parce que je vois surtout cette dame de carreau là. Vous allez devoir vous déplacer. Il y a un petit déplacement qui va avoir lieu. Mais de toute façon, il y a des bonnes nouvelles là-dessus, sur votre déplacement. Peut-être que vous allez devoir vous retrouver avec une dame de carreau. Vous allez devoir vous retrouver avec une femme que vous ne portez pas dans votre cœur. Vous allez devoir être obligé d'y passer. Ou bien ça peut représenter, je vous dis, une personne d'une haute autorité. Quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui peut être froide, mais en tout cas droite. Voilà ce que l'on peut dire avec notre jeu de 32. On voit les projets qui sont là, qui sont mis en place, qui certes, petit contretemps, l'argent est là, ça annonce que du bon, les amis. Alors, nous allons regarder par signe astrologique et nous démarrons avec les béliers. Alors, amis béliers, voyons voir un petit peu avec le nouvel oracle du petit Lenormand. Le nouvel oracle du petit Lenormand. Hop. Voyons voir un peu. Vous excusez, il fait beau, les fenêtres sont ouvertes. On entend les chiens. Il y a peut-être même mon petit coton qui participe. Alors, à la coupe. Le chien, la fidélité, le soutien et la clé. Regardez ça. Ami Bélier, il y a la réussite qui arrive là. Il y a des propositions qui vous sont faites. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous et vous êtes soutenu. Il y a du soutien derrière vous là. Proposition, abondance, argent, fidélité, soutien sur des choses que vous allez... apprendre sur des choses qui vont être dites. Il y avait peut-être des non-dits, il y avait peut-être des choses qui étaient, on va dire, pas dites, qui vont être dites. Il y a un beau soutien là. Très beau soutien pour vous, amis béliers. Alors, en tout cas, on voit qu'il y a une réussite de quelque chose qui se présente à vous et vous êtes soutenu. Il va falloir effectivement... Il y a la fin de quelque chose qui se présente à vous. On l'a vu, il y a eu la clé. Donc, de toute façon, il y a la fin de quelque chose qui se fait. C'est du certain, mais on a vu dans le tirage du 32, de toute façon, qu'on allait, il y avait des projets hein,
pour les trois quarts d'entre vous. Les nuages font que peut-être que ça ne va pas. On peut retrouver notre blocage. Là, on peut retrouver notre contretemps, notre 9 de carreau. Quoi qu'il en soit, les choses vont s'améliorer. Et ça concerne la maison. Et oui, on ne peut pas se mentir. On l'a bien vu. Ami Bélier, on va pouvoir mettre fin à quelque chose. Encore un petit peu peut-être de retard, de contretemps. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans la maison, là, les projets sont là. Pour certaines personnes, il va peut-être falloir, ami Bélier, il va y avoir la fin de quelque chose. On voit bien que ça vous perturbe pour l'instant, ça vous mine. Et c'est dans le domaine familial, dans le foyer, pour vous. On va regarder, ami Bélier, quel beau message vous avez à recevoir avec l'oracle des plumes. Quel message, quel jolie plume pour nos amis béliers pour ce mois de septembre 2022. Alors, et nous avons, waouh, la plume rouge. Alors, je crois que de mémoire, la plume rouge, amis béliers, c'est la plume de la luxure. Jolie. Alors, plume rouge. Eh oui, luxure. La plume rouge vous met en garde, outre contre les plaisirs éphémères et vils. L'énergie de la tentation est au rendez-vous, mais vous pourriez vous y brûler les ailes. Vos guides vous avertissent que vous êtes en train de renouer avec de vieux démons intérieurs, mais vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour le comprendre. Et oui, à mes béliers, on a bien vu que dans le foyer, il y avait quelque chose qui prend fin avec un petit peu de tourment. Voilà ce que l'on peut dire pour vous. Amis Béliers, nous passons à nos amis Taureaux. Amis Taureaux, septembre 2022. Voyons voir un petit peu pour vous. Amis Taureaux, septembre 2022. À la coupe, nous avons, tiens, les nuages pour vous aussi, amis Taureaux. Et l'anneau. Ah, oh, est-ce qu'il y aurait un petit peu un vent d'orage dans le couple pour certains? Ou bien, attention concernant des signatures, on l'a vu également dans le jeu de 32. C'est peut-être ça qui perturbe. Il y a un petit peu de nuages, il y a un petit peu de tension, de contretemps, de retard. On le retrouve ici. Hein, anneau, signature. Accord, et ça touche le domaine familial, ça peut être l'immobilier, pour certains ça peut être carrément le couple, hein. Là on a anneau maison, c'est le couple qui peut traverser un petit peu, on va dire, de tumulte, et quelque chose qui prend fin, et c'est pour vous monsieur. Alors pour certains, bon, on va pas se mentir, hein. Il y a peut-être une séparation, voilà. On prend la rentrée septembre, on a pris de résolution, et pour le fait peut-être d'aller mieux, hein. Quelquefois ben, c'est... C'est, voilà, je veux dire, c'est pas souhaitable, mais c'est profitable à l'un comme à l'autre. Alors, on a l'impression que là, il y a une, dans le domaine maison, foyer, signature, contrat, peut-être union, il y a quelque chose qui ne va pas et vous allez mettre un terme pour vous, mon consultant, ou en tout cas ma consultante. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, hein, mais pour certains, on voit bien la fin de quelque chose. Alors, ça peut être aussi la fin de quelque chose. Renouer avec quelque chose de nouveau. Hein. Le deuil, c'est également quelquefois la carte positive. Hein. On met un terme pour démarrer quelque chose de meilleur. Alors, ah ben, regardez, un mytho. Alors là, c'est pas beau ça. Donc, je pense que cette coupe, elle est positive. On met fin à quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Signature, accord, contrat avec le cœur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est. Il y a quelque chose de beau qui se présente là. Là, on est en face, en fait, on démarre quelque chose de nouveau. On va... Il y a un couple. Les couples, je pense que le... Alors, par rapport à la coupe de tout à l'heure, il peut y avoir effectivement la fin de quelque chose pour certains, et pas pour tous. Là, on voit plutôt un couple heureux, uni, il y a de l'accord, il y a de l'engagement, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, là. Très joli, hein, Taureau. Très beau, très beau, très beau. Attention, autour de ça, il peut y avoir, on va dire, une dispute, une certaine tension, bah c'est rigolo, enfin c'est rigolo, parce que c'est ce qu'on a vu à la coupe tout à l'heure, hein. Mais bon, on va dire, ça peut être, voilà, il peut y avoir une dispute,
Un houle, ça arrive dans tous les couples, ça arrive dans tous les. Voilà. Il peut y avoir aussi concernant un accord, un contrat, une signature, quelque chose qui ne va pas hein, autour. Soyez vigilants. Pour d'autres, effectivement, on peut rejoindre que dans le couple, il y a une certaine tension, il y a quelque chose qui va être compliqué à gérer et il va falloir communiquer. Communiquer pour mettre fin à cette souffrance, pour mettre fin à cette tension. Voilà, ami taureau. Alors, on va regarder quelle plume, quel message pour nos amis taureaux. Quel message ont-ils à recevoir, nos amis taureaux? Avec la plume verte, je crois que c'est le renouveau, verte, l'espérance. Oh, c'est beau ça, ce vert comme ça. Alors, la plume verte, oui, c'est la guérison. C'est très joli. Ça va avec votre tirage, ami taureau. Cette plume vous invite à avoir confiance en vos capacités de guérison, qu'elles soient physiques ou psychiques. Vous avez la possibilité de vous réconcilier avec toutes les parts en souffrance de votre âme. Mettez davantage de conviction dans ce que vous entreprenez. La plume verte vous invite à la pleine conscience des révélations de l'origine de votre douleur, de votre chemin. On a vu, ami taureau, que pour certains, ça va être un petit peu compliqué, douloureux. Eh bien, cette plume verte vous annonce la guérison. Très joli message. Nous continuons avec nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, septembre 2022, pour nos amis Gémeaux. Septembre 2022. Pour nos amis Gémeaux. Les chemins. Amis Gémeaux, nous allons devoir prendre une nouvelle direction. Peut-être avez-vous des projets. Alors, à la coupe. Le jardin, il y a du monde là autour de vous, l'encre. On veut se stabiliser, on est lié aussi peut-être à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a du monde, est-ce qu'on va fêter quelque chose? Il y a une stabilité qui se présente à vous. Il y a eu du stress, hein. Attention, il y a du stress en amour peut-être, parce qu'on veut certainement une stabilité, on veut s'engager. Alors, il y a du monde autour de vous, on va peut-être fêter quelque chose, mais attention. Pour l'instant, on voit qu'il y a de la fidélité, du soutien. Il y a quelque chose qui est bloqué. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de bloqué avec une personne sur laquelle vous tenez, à laquelle vous tenez, bien entendu, hein. On voit que vous récoltez quand même, hein. Est-ce que vous souhaitez une. Oh, c'est beau quand même, là. On voit que vous êtes stressé un tout petit peu par rapport à quelqu'un sur lequel vous êtes lié. Cette personne rencontre peut-être elle-même un souci d'ailleurs. On voit également que par rapport à un travail d'équipe également, ça peut vous stresser pour ceux qui ont repris le travail par exemple. Alors, l'étoile, oh, l'étoile et la lune, ça c'est beau, hein. Vous projetez, vous avez des rêves. Vous mettez peut-être en lumière certaines choses aussi, hein. On voit que le passé peut-être vous travaille. Est-ce que quelquefois vous êtes peut-être en train de chercher votre orientation, amis Gémeaux, pour certains, car le passé est encore présent en vous. Ce passé, il est là, vous pouvez rien y faire, et donc il vous poursuit. Vous avez des rêves, vous essayez de voir plus loin avec ces étoiles. Mais peut-être qu'au niveau orientation, bon, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie, hein, l'étoile vous guide. Mais le passé, il est derrière, hein, vous le traînez apparemment, hein. Des nouvelles vont arriver. Est-ce que ces nouvelles sont en rapport avec le passé pour certains? Est-ce que vous projetez sur des choses, on va dire. Vous avez des intuitions, j'ai l'impression, amis Gémeaux. Une intuition également concernant une visite où vous allez rendre visite ou on va vous rendre visite. Hein. Il est question peut-être aussi de vous projeter, mais en même temps, le passé est là. C'est curieux, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller de l'avant, d'avancer, mais en même temps, ce passé vous freine un peu.
Avec ce cavalier, on a l'impression que vous attendez d'avoir des nouvelles. Vous attendez. Alors, bien sûr, il n'est pas question d'attendre bêtement et de ne pas bouger. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais là, on voit que, de toute façon, des nouvelles vont arriver. Est-ce qu'elles sont en rapport avec le passé? Moi, je dirais que c'est des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Hein. Mais, c'est ça. J'ai le sentiment que quelque chose va vous émouvoir. Voilà. Amis Gémeaux, quelque chose va vous émouvoir. Une visite ou des nouvelles. On va regarder quelle plume. Quel message pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre 2022. Pour nos amis Gémeaux, septembre 2022. Pour nos amis Gémeaux, septembre 2022. La plume gris anthracite. Alors, que nous dit la plume gris anthracite? À ne pas confondre avec la gris clair et l'argent. Gris anthracite. Je vais la trouver, hein, vous inquiétez pas. Nostalgie. Je vous l'ai dit, amis Gémeaux, j'ai l'impression qu'une visite, quelque chose du passé va être là présent. Là, on est sur la nostalgie. Vous avez du vague à l'âme. Et une partie de vous a besoin de se retourner, de se replonger vers le passé. Ne vous l'ai-je pas dit, amis Gémeaux? Qu'il en soit ainsi, toutefois, ne vous y attardez pas trop longtemps. Votre âme a besoin de digérer des événements, des émotions qui n'ont pas été intégrées par le passé. On vous dit bien que vous avez besoin d'y retourner pour mieux repartir vers de nouveaux horizons. Quelquefois, il est bon, effectivement, de se replonger un petit peu dans le passé, mais point sans faux, il ne faut pas s'enfoncer dans le passé. Voilà, amis Gémeaux. Nous allons passer à nos cancers. Amis Cancer, septembre 2022. Septembre 2022. Septembre 2022 pour nos amis Cancer. Septembre 2022 pour nos amis Cancer. Septembre. La coupe, les fleurs, le bouquet, en fait quelque chose, ami Cancer? Alors, tu veux pas venir? Fidélité. Est-ce qu'il est question d'un rendez-vous galant, d'une invitation surprise? 2, 4, 6, 8, 10, 10 de cœur, oui, projet sentimental, là, joli. Alors, si c'est votre anniversaire, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, hein, Cancer, je ne sais pas, je ne sais plus quel mois c'est. On va fêter quelque chose. Attention, attention, attention. Il y a la jalousie autour de vous, amis Cancer. Ou bien, faites attention aussi de ne pas être entouré d'un ami qui vous fait des grands sourires derrière, qui vous offre un cadeau, mais qui n'est pas sincère. Ça arrive, malheureusement. Soyez vigilants, amis Cancer. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a les nuages derrière votre invitation, derrière ce cadeau, derrière... voilà. Soyez vigilants concernant un ami. Alors, combinaison que je n'aime pas beaucoup. Hein. Alors, la croix. Bon, la croix. Il y a la tristesse, on ne va pas se mentir. Hein. Je veux dire, voilà. On ne va pas raconter tout et n'importe quoi. Il y a de la tristesse et il y a du deuil. Il y a de la tristesse sur quelque chose sur la... qui va prendre fin. On est bien d'accord. Alors, ça peut être aussi tourné en positif. C'est-à-dire que pour vous, amis Cancer, il peut y avoir la fin de quelque chose qui a été difficile, qui a été douloureux. Voilà. Si on va vers une grosse transformation, ça peut être. Alors, bien sûr, pour certains, il y a de la tristesse, on ne va pas se mentir. Peut-être un deuil, pour de vrai. Un deuil, une tristesse, quelque chose de familial, amical. On l'a vu tout à l'heure à la coupe aussi avec le chien, ça peut être amical. Bon. Pour d'autres, on est face à une grosse transformation qui va se produire, qui peut être totalement positive d'ailleurs. Hein, la fin des ennuis, la fin des tracas, la fin des soucis. Parce qu'on va apprendre enfin quelque chose, parce que les nouvelles vont tomber, et c'est peut-être dans le domaine sentimental d'ailleurs. Donc là, peut-être qu'il y a eu la fin de quelque chose, peut-être qu'il y a eu une séparation difficile à passer en ce moment pour certains cancers, peut-être que le célibat est lourd et dur à digérer, et regardez, on va de toute façon vers une transformation merveilleuse, magnifique, qui reflète
de la joie et du bonheur. Avec ce cœur qui arrive derrière notre 8, là, le deuil, c'est pour moi, c'est la, comment on va dire, je cherche mes mots, c'est la, le chagrin qui s'envole, d'être seul, l'isolement qui s'envole. Pour d'autres, attention, attention, on est peut-être là en face, malheureusement, combinaison, on va dire, peine de cœur, un chagrin. Parce que vous risquez d'apprendre certains cancers, quelque chose de pénible, de difficile, qui est dans le domaine sentimental, et là, on peut être sur la tromperie. Voilà, on ne va pas se mentir, on est sur la tromperie, on est sur une peine de cœur, sur un chagrin. Pour d'autres, si c'est rien à voir sentimental, vous pouvez prendre connaissance de nouvelles dans la vie de tous les jours ou dans une démarche que vous avez faite qui va malheureusement vous apporter, on va dire, du chagrin, enfin, qui va vous apporter un sentiment négatif, quelque chose qui ne va pas aller comme vous l'entendez. Voilà, ami cancer. Bon, et ben écoutez, on va regarder quelle jolie plume pour vous, hein, ami cancer. Quelle plume nous avons pour nos amis cancer, s'il vous plaît, quelle plume pour nos amis cancer. Quelle plume pour nos amis cancer. Alors, pour nos amis cancer, nous avons la plume bleu roi, plume magnifique en couleur, bleu roi. Très très joli. Alors, la bleu roi, manifestation. Donnez un coup d'éclat à cette belle créativité qui est en vous. Elle vous invite également à porter une attention particulière à vos rêves. Notez les idées qui vous viennent à l'esprit dans un petit carnet au réveil. Vous serez surpris de les relire quelques temps plus tard. La plume roi également annonce une ère plus prospère dans votre quotidien. Même si vous traversez en ce moment des moments peut-être difficiles, ami cancer, la plume roi vous annonce que de toute façon, on va vers quelque chose de plus prospère, de plus positif. Voilà, ami cancer, nous allons passer à nos lions. Ami lion, septembre 2022 pour nos amis lions. Septembre 2022 pour nos amis lions. Septembre 2022 pour nos amis lions. À la coupe. Communication, des nouvelles, ça discute, ça discute. On se projette, on a des intuitions, on a des envies, on a des projets. On suit sa bonne étoile et on en parle. Beaucoup de communication à millions là pour ce mois de septembre. Oh oh. Alors, communication avec le patron, avec quelqu'un qui a une certaine autorité, un certain charisme, ou bien discussion, orientation sur les finances, en tout cas, ça discute. Sentimentalement, ça vous touche, ça vous plaît, vous aimez, quelque chose de beau se profile à l'horizon. Peut-être également quelque chose se profile de beau à l'horizon, on met un terme à quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux, on en parle. Ça peut être également avec quelqu'un autour de vous, un proche, peut-être votre compagnon, en tout cas quelqu'un qui a du caractère. Hein. Discussion. Certes, peut-être un petit peu animé, parce qu'on peut avoir quelqu'un en face de soi qui est un petit peu borné, obtus, mais le cœur est là pour adoucir les choses. Alors, ami lion. Ah, les nuages. Ça sort beaucoup au mois de septembre, hein, les nuages. Hein. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de... Avec les nuages, on est un petit peu dans le doute. Mais comme je dis toujours, hein, les nuages, ça passe. Et il y a le soleil qui arrive derrière. La croix. Alors attention, on est quand même un million un petit peu perturbé par... alors ça peut être des décisions sentimentales, puisqu'on a vu tout à l'heure avec cet ours, une personne qui peut être un peu autoritaire et qui de ce fait vous fait un petit peu peur. On est dans l'angoisse, dans le chagrin, dans l'anxiété là. On a une certaine tristesse qui peut concerner aussi les finances pour certains. Qui peut concerner le domaine sentimental puisqu'il y avait le cœur. Eh ben, un million. Oui. On a la santé qui décline un petit peu. Il va falloir se refaire, mes amis. Hein. On voudrait... Là, il y a un enracinement un petit peu difficile. Alors, est-ce qu'on a fait face à une rupture? C'est bien possible. Est-ce qu'on fait face à des soucis financiers? On l'a vu aussi avec notre ours. Hein. Quoi qu'il en soit, attention, attention de ne pas
tomber en dépression pour certains amis lions. Attention à la santé. Si vous connaissez des lions, j'ai envie de dire, prenez de leurs nouvelles. Parce que nos amis lions ont un petit souci, là. Un petit problème de santé. Un petit problème de santé pour la rentrée septembre. Ça peut être un petit problème de santé psychique qui fait que peut-être autour de vous, des situations sont bloquées. On le voit avec la montagne. Ça peut être une situation qui vous mine, avec le cœur on a vu, qui vous tient à cœur, qui de ce fait vous rend un peu malade parce qu'elle est bloquée, tout simplement. Voilà, mignon. On va regarder quelle plume pour vous, mes amis, pour ce mois de septembre. On l'a vu dans le tirage général, hein, des changements, des opportunités. On a vu du retard et du blocage. Peut-être que ça ressort pour vous, mes amis lions. Et ça vous mine. Chacun le prend effectivement à sa façon. Et pour certaines personnes, ça peut être plus important que d'autres. Alors, amis lions, la plume brune. On ne sort pas souvent cette couleur de plume. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la plume brune? Je dirais même que je ne la connais pas du tout. Alors, la brune, ancrage. La plume brune représente votre vision de l'ancrage. Peut-être l'ancrage est-il la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans votre situation. Il est important que vous vous rattachiez à des éléments concrets et pragmatiques afin de ne pas laisser votre imagination vous jouer des tours. Se rattacher à la terre et aux sensations de votre corps vous sera salvateur. On a vu l'arbre et la santé, les amis. C'est par ce dernier que vous comprendrez en une fraction de seconde le message qui vous est destiné. Il faut garder les pieds sur terre. Il faut vous ancrer. Il faut, avec cet arbre, penser à votre santé, que la vitalité revienne. Vous traversez peut-être un mauvais moment et là, on vous dit de penser à votre ancrage, à votre vitalité pour voir les choses autrement. Voilà, amis lions. Quelquefois, il suffit d'aller faire un tour en forêt, au bord de l'eau, voilà, de changer les esprits. Amis vierges, voyons voir un petit peu pour nos vierges. Rentrée septembre 2022 pour nos amis vierges. Septembre 2022 pour nos amis vierges. Septembre 2022 pour nos amis vierges. La coupe, l'encre, on se stabilise. Le jardin. On met en place des choses là, pas seul. Hein. Il y a peut-être un travail d'équipe qui est fait, un travail avec du monde autour de vous qui vous aide. Hein. Quoi qu'il en soit, on a envie de s'ancrer, on a envie de stabilité là. On a envie de... Ou on est peut-être aussi attaché à ce que l'on fait. Attaché à... Bah, ça, si c'est son travail, on est attaché à son travail d'équipe. On est attaché aussi à... oui, à ce que l'on fait, à ce qu'on met en place. J'ai l'impression aussi que vous êtes sûr de vous, là. Il y a une position assurée, il y a peut-être, allez-vous devoir prendre la parole avec du monde et j'ai le sentiment que vous vous sentez bien, vous voyez. Ou en tout cas, s'il y a des démarches avec du monde, là, vous vous sentez bien, amis vierges. Vous êtes assez sûr de vous. Attention. Amis vierges, dans vos démarches, vous pouvez avoir des ennemis autour de vous. Vous avez des gens qui ne sont pas bons, qui ne vous apprécient pas et qui vont tout faire pour vous bloquer. Qui vont, évidemment, avec cette montagne, on peut le voir. Hein. Mais vous savez aussi, les amis, que la montagne, on passe par-dessus. Hein, on peut la traverser. Attention toutefois. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression, je colloque. Pourquoi ce mot me parle, un colloque? Si vous avez, vous allez être en réunion, vous allez avoir du monde autour de vous, un travail d'équipe, attention, il y a un collègue, une collègue qui ne vous aime pas et qui va essayer de vous torpiller. Soyez prudent, amis vierges. Quoi qu'il en soit, vous avez de toute façon quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Vous avez un ennemi autour de vous. Communication. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Une colloque, ça me parle, mais ça peut être réunion, ça peut être formation, ça peut être dans le travail, ça peut être, voilà, bon.
Même en famille, pourquoi pas, hein? Il y a quelqu'un qui ne vous aime pas et qui va tout faire pour vous bloquer, qui va tout faire pour que vous ne réussissiez pas à ce que vous avez envie de dire, à ce que vous avez envie de faire. Et en tout cas, il va être question de communication, mais j'ai le sentiment que vous allez discuter avec quelqu'un qui n'est pas bon et ça mènera à rien du tout, de toute façon, amis vierges. Soyez vigilants, mois de septembre, dans vos rencontres. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental aussi, hein, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. J'en reprends une parce que ça me travaille. Oui, ça... Et ça va vous rendre instable, ça va vous rendre... ça va pas être positif pour vous. Il va y avoir des rencontres qui ne sont pas positives pour vous pour ce mois de septembre. Il va y avoir des mots lourds. Il risque d'y avoir des mots lourds avec quelqu'un, avec une personne autour de vous, amis vierges. Attention, vigilance. On va regarder quelle plume pour vous. Amis vierges, attention par rapport à ce jeu de 32, c'est n'oubliez, ne le perdez pas de vue, hein, le tirage général, les démarches, l'argent. Attention, par rapport à ça, il y a des choses autour de vous, amis vierges, qui ne sont pas claires, des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien, et de ne pas avoir de mots, trop de mots qui dépassent les pensées. Ce n'est pas toujours très très bien perçu. Alors, quelle plume pour nos amis vierges? Quelle plume pour nos amis vierges? La plume ocre. Alors, que nous dit cette plume ocre pour nos amis vierges? Accomplissement. Le grand rendez-vous de la destinée. Vous allez devoir vous engager. Cette plume vous encourage à sauter dans le train. Ne loupez pas le coche. Le chemin sera ponctué de défis. On l'a vu. Et d'embûches. On l'a vu. Mais vous allez pouvoir faire valoir tout ce que vous avez au fond de vous. Le rythme va être rapide. Vous êtes soutenu par la terre grâce à des personnes de votre entourage. Voilà, amis vierges, ça se finit très bien. Nous passons à nos amis balance. Alors, amis balance, septembre 2022. Pour nos amis balance, septembre 2022. Voyons voir un peu pour nos amis balance. Septembre 2022, nos amis balance, la coupe, la récolte, la faux, on coupe, on récolte, waouh, joli. Il peut être question de déménagement, amis balance, on récolte, on va enfin pouvoir récolter, aller au fond des choses, on déménage, on change. Ça vous a stressé, hein? Ça vous stresse, hein? Il y a énormément de stress. La tour, quelque chose qui va, voilà, qui va se faire, des choses de très officielles d'ailleurs, hein. Donc je pense que là, on est vraiment sur un gros changement. On va retrouver une certaine sérénité avec cet arbre. Il y a eu des nuages, mais évidemment, c'est normal et les choses prennent fin. Waouh, joli. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, ami balance, concernant également une maman aussi. On se rapproche de sa maman, il y a du changement. On l'a vu, hein, dans les tirages, hein. Et on récolte. Beau, la moisson, c'est la récolte, ça. Alors. Il y a de l'amour. Il y a du sentimental qui est bloqué, qui est au point mort. Bon, ça n'a pas l'air d'être bien méchant. Ça peut être... Oh, ben, regardez, je vous ai dit, ça n'a pas l'air d'être bien méchant. Vous voyez, les solutions sont là. Les solutions arrivent. Amis balance, on voit qu'il y a un changement, un déménagement. Quelque chose de beau qui se présente à vous. Ça peut être pour votre maman aussi, hein. Vous vous rapprochez de votre maman puisqu'il était question de déménagement, de changement. Ça vous tient à cœur. Si c'est dans le domaine sentimental, il peut y avoir une petite... peut-être que les sentiments se sont retrouvés à un moment donné bloqués. Il y a pu y avoir aussi des démarches, des choses qui ont fait qu'on ne s'est pas tellement bien senti sentimentalement. On s'est senti un petit peu bloqué. C'est normal, ça peut arriver. On s'est senti seul, hein, j'ai envie de dire. Et pouf, la solution arrive, la solution est là, ça se débloque. On a vu que c'était bloqué, hein. Ben, ça se débloque, les solutions arrivent, les solutions sont là, elles se présentent à vous. Si c'est dans le domaine sentimental, à un moment donné, peut-être que ça a été bloqué, peut-être qu'on s'est senti seul, peut-être que, voilà, on était aussi fermé, hein, voilà. Et pouf, pour certains, il y a peut-être une rencontre qui arrive là, pour mes amis célibataires. Hein. Voilà, amis balance. Alors, on va regarder un petit peu quelle plume, quelle couleur de plume pour vous, amis balance. Alors... Quelle est la plume pour nos amis balance pour ce mois de septembre 2022? Hop. Et là, nous avons...
Waouh, la plume arc-en-ciel. C'est la plus jolie plume. Elle est magnifique, cette plume. Alors, la plume arc-en-ciel, les amis, c'est le triomphe. On l'a vu, hein, je vous l'ai dit. Hein. Cette plume va vous apporter une certaine notoriété, une reconnaissance à laquelle vous aspirez depuis longtemps. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, puisqu'on a vu une ouverture, on a vu une rencontre éventuelle. Ça peut être dans le domaine du changement, puisqu'on a vu déménagement, changement. Ça peut être dans le domaine professionnel. En tout cas, c'est la fin du parcours du combattant. La lumière jaillit et tous les efforts vont être enfin récompensés. Magnifique! Les honneurs sont à la hauteur de ce que vous aurez su développer. Ami Balance, c'est superbe. Bien, voyons voir maintenant pour nos amis scorpions. Alors, amis scorpions, septembre 2022. Amis scorpions, septembre 2022. Amis scorpions, septembre 2022. À la coupe! Le cavalier, les nouvelles. Ah, des nouvelles qui étaient bloquées, amis scorpions, et qui, a priori, vous êtes en attente, vont arriver puisqu'elles étaient bloquées. Ça aurait été comme ça, je vous aurais dit, les nouvelles, elles sont bloquées, elles n'arrivent pas. Là, elles étaient bloquées, elles vont arriver. Bon, ça peut concerner les enfants, mais ça peut concerner également des nouveaux projets, hein. Waouh, et c'est un coup de chance, donc quelque chose de beau. Pour certains, vous pouvez avoir, s'il y avait eu des soucis avec les enfants, par exemple, relations peut-être conflictuelles, difficiles, ou il y a un moment que vous ne les aviez pas vus, ils arrivent, c'est perçu comme un coup de chance. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles qui étaient bloquées, un projet, quelque chose qu'on veut démarrer qui était au point mort, ça arrive avec un beau coup de chance. Ami scorpion, très jolie coupe. Alors, l'anneau. Oh, joli. Là, on est tout de suite dans le domaine sentimental, hein, je vous dirais. Anneau et chien, il y a de l'engagement. Hein. Il y a du sentimental avec de la loyauté, de la fidélité. Il y a de l'amour. Il y a quelque chose de sérieux, là. Hein. Alors, c'est une personne de confiance, en tout cas, autour de vous. Si c'est dans le domaine professionnel, je dirais que vous êtes entouré de quelqu'un de confiance. Quelqu'un en qui il y a un bon associé, un bon partenaire, là, hein, professionnel. Si vous êtes en train de... Vous allez en passe de signer quelque chose, un contrat, un engagement. C'est en tout cas beau. C'est digne de confiance. C'est quelque chose de lumineux. Je ne recouvre pas parce que c'est vraiment très beau. On ne va pas recouvrir des cartes positives. Sentimentalement, c'est beau. Il y a du soutien. Il y a du sentimental. Il y a c'est de la fidélité, de l'engagement. Contrat, eh ben, contrat loyal, partenariat, si vous êtes avec des associés, professionnels avec un travail d'équipe, de travail avec un collègue, c'est tout beau, c'est tout magnifique. C'est lumineux pour vous au mois de septembre, amis scorpions. Quelle plume pour vous, amis scorpions? Très beau tirage, hein. Deux cartes qui veulent en dire beaucoup, très très beau. Alors, quelle plume pour nos amis scorpions pour ce mois de septembre. La plume orange. Alors, la plume orange pour nos amis scorpions. Communication. La plume orange vous invite à communiquer ouvertement, sans détour, sans faux semblant. Votre communication, pour être pertinente, doit être dénuée de tout sous-entendu. Il est conseillé de rentrer en résonance avec la voix du cœur, avec ce que vous sentez. Elle vous murmure les mots justes. On ne vous demande pas de vous justifier, mais simplement d'honorer votre vérité qui a besoin d'être entendue et écoutée. Et c'est tout à fait ce qu'on a vu avec les deux cartes, loyauté, fidélité, soutien. Très beau tirage, amis scorpions. Nous passons à nos amis Sagittaires. Alors, Sagittaire, amis Sagittaires, septembre 2022. Hop, elle a voulu sauter, c'est quoi? Communication, les oiseaux. On communique, les amis Sagittaires. On va discuter, on va dialoguer. Alors, amis Sagittaires, septembre 2022.
septembre 2022 pour nos amis Sagittaires. À la coupe. Fidélité, soutien. Waouh, joli. Amis Sagittaires, je ne sais plus quel signe, c'était joli comme ça. Sentimentalement, loyauté, fidélité, soutien. Pour quelque chose que vous faites, qui vous tient à cœur, vous êtes soutenu. En tout cas, il y a un ami autour de vous qui vous soutient. Ça peut être aussi dans les transactions d'argent. En tout cas, financièrement, les choses vont bien. Vous êtes soutenu. Professionnellement, vous allez peut-être avoir une augmentation, quelque chose qui vous plaît, amis Sagittaires. Il y a du renouveau, une augmentation, un petit grade, un changement de poste. En tout cas, il y a également des collègues ou un collègue qui vous soutiennent professionnellement. C'est très joli. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous faire plaisir dans le domaine activité, hobby, travail. Alors, nous retrouvons l'ours qui peut être associé à un patron qui est là. Et il vous a occasionné peut-être une certaine tristesse, ce patron. Mais c'est la fin, puisqu'on a bien vu à la coupe, d'ailleurs, une reconnaissance, quelque chose de beau qui se présente à vous dans le domaine professionnel. Alors, il peut être aussi la fin des soucis financiers également. Situation financière, elle va mieux. Elle est reconnue. Sans doute qu'on vous a ou on va encore vous demander peut-être pour certains une charge supplémentaire au niveau du travail, mais on a vu à la coupe que c'était positif. C'est peut-être gagner plus, travailler plus pour gagner plus, ça me dit quelque chose ça. Mais on va peut-être vous demander un petit peu ou vous donner une responsabilité un petit peu plus lourde professionnellement. Sur quelque chose qui, ma foi, était bloqué. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà demandé quelque chose qui était bloqué. C'était peut-être dur. On vous a demandé de travailler plus pour obtenir ce que vous avez demandé. Il est là. Il arrive. On va pouvoir récolter la moisson. On récolte. On coupe. Pour certains Sagittaires, c'est dans le domaine professionnel. On voit que peut-être qu'un patron vous a demandé de plus. On a vu à la coupe que c'était beau. C'est la réussite de ce qui arrive. Une augmentation, une élévation professionnelle avec un soutien. Peut-être parce qu'on vous en a demandé plus, on vous a demandé de travailler un peu plus, les choses étaient bloquées. Mais les choses, elles arrivent, elles se débloquent, on récolte. C'est exactement ce qu'on a vu à la coupe. Si c'est dans le domaine sentimental, attention, il y a eu un petit peu de tristesse avec une personne qui peut être dure, qui peut être autoritaire. Et donc, de ce fait, il y avait un peu une discussion, un dialogue qui était bloqué. On n'avançait pas beaucoup. On va pouvoir régler la situation puisque avec cette moisson, on va récolter. Ça veut dire qu'on va avancer, on va couper. Ou on coupe net avec cette personne qui est trop autoritaire, qui est trop dure. Ou on arrive enfin à couper ce qui est négatif et on repart sur du dialogue et de la discussion. Vous voyez comment ça vous parle, amis Sagittaires. On va regarder quelle plume pour nos amis Sagittaires. Quelle plume pour le mois de septembre 2022? Plume pour le mois de septembre. Septembre 2022. Septembre 2022. La plume verte. La plume verte, de mémoire, c'est la guérison. Donc, comme on a vu tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui n'allait pas, on coupe. On passe à autre chose. Ou on arrive à dialoguer, ou bien... basta, on dialogue plus, on passe, on coupe, on tranche, on récolte également dans le domaine professionnel, on a pu le voir. C'est la guérison. Cette plume vous invite à avoir confiance en vos capacités de guérison, qu'elles soient physiques ou psychiques. Vous avez la possibilité de vous réconcilier avec toutes les parts de souffrance de votre âme. Mettez davantage de conviction dans ce que vous entreprenez. La plume verte vous invite à la pleine conscience des révélations de l'origine de vos douleurs. Sur votre chemin, vous aide à réaliser ce qui ne va plus et ce qu'il faut faire pour que les choses aillent mieux. Tout à fait en adéquation avec le tirage. Voilà, amis Sagittaires. Voyons voir maintenant pour nos amis Capricorne. Amis Capricorne, septembre 2022. Amis Capricorne, septembre 2022. Alors, voyons voir un petit peu pour nos amis. Septembre 2022, amis Capricorne,
septembre 2022, la coupe. La chance vous sourit. Oh. Il y a eu des conflits. Est-ce que c'est un coup de chance que les choses aient pu être pu... Oula. Est-ce que c'est un coup de chance que les choses aient pu être dites? Je vais y arriver. Pourquoi pas? Quelquefois, il faut. Il y a de la tension, mais les choses vont s'arranger. On voit, oui, dispute, stress. Bon, c'est bel et bien là, hein, par rapport à des visites que vous avez rendues, qu'on vous a, ou que vous avez eues. Stress, dispute, conflit. Quelque chose présente bien, vous aide d'ailleurs. Question de mouvement. Il y a du mouvement, hein, les amis. Est-ce que c'est à cause de ces mouvements, de ces coups de chance qui font peut-être une opportunité pour vous, hein? Déménagement, changement, transaction, accord, rencontre, vous suivez votre belle étoile, ça ne plaît pas à tout le monde et ça occasionne du stress et des conflits. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, amis Capricorne, hein? Alors, la réussite, de toute façon, pour vous, en sentimental. Effectivement, certains ont pu faire une rencontre pour vous, pour démarrer cette rentrée, ou pendant les vacances d'ailleurs, et vous démarrer quelque chose de nouveau. La solution, elle est là, elle vous a été amenée, hein, on le voit, hein, à la coupe, hein, mais ça ne plaît pas à tout le monde, ça occasionne du stress et des conflits. Les sentiments sont là, en tout cas, ils sont bel et bien là. Pour d'autres personnes, peut-être qu'enfin vous allez mettre en place des projets. Enfin, vous mettez peut-être en place un changement, quelque chose de nouveau qui se présente à vous, hein, tout simplement. Hein. On l'a vu, hein, il y a du mouvement avec le bateau. Eh bien, écoutez, ça ne plaît peut-être pas à tout le monde. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'important pour vous qui se fait, ami Capricorne, pour cette rentrée septembre. Il y a vraiment quelque chose de beau là, hein, et qui va vous permettre de vous enraciner. La santé, pour certains, va en amélioration. Les projets vont s'ancrer, on s'enracine. Là, il y a la santé qui est là. Les finances aussi vont s'améliorer. On est sur quelque chose de beau, ami Capricorne, qui va émotionnellement beaucoup vous impacter. Belle réussite, beaucoup de chance. Voyons voir quelle plume pour vous, ami Capricorne. Alors, quelle jolie plume comme message pour confirmer ce joli tirage pour nos amis Capricorne. La plume rose tout en douceur. La plume rose, très jolie. C'est de la douceur, ça, c'est la réminiscence. La plume rose vous amène à revisiter vos souvenirs d'enfance. C'est la réconciliation avec tous vos enfants intérieurs, que ce soit dans cette vie-là ou dans celle d'autrefois. Tout s'aligne. Le travail initié dans l'instant présent débloque les couloirs du temps et les problématiques rencontrées. Faites appel à la candeur, à la douceur. Le réconfort est au rendez-vous. Vous êtes réaligné avec tous les âmes de tous les enfants que vous avez été. Je vous l'ai dit, c'est la douceur. C'est l'alignement, les choses. Et on l'a vu, hein, la clé. Il y a des belles choses qui se présentent à vous, ami Capricorne. Très, très joli tirage. Voilà. Alors, nous passons à nos amis Verseau. Amis Verseau, septembre 2022. Septembre 2022 pour nos amis Verseau. Septembre 2022. Nos amis Verseau. Septembre 2022. Hop. Engagement, accord, union, signature. Il y a de l'engagement dans l'air, amis Verseau, de la concrétisation, que ce soit sentimentale ou activité professionnelle, hobby, démarche. La croix. Alors, quelque chose a été pénible. Bon, attention. Pour certains, dans le couple, il y a quelque chose qui est pénible. On est de l'ordre de quelque chose de... on traverse peut-être un petit mauvais moment. Bon, ça, soit, ça peut arriver, c'est la rentrée, c'est pas toujours facile. Rentrée dit nouveauté, nouvelles choses. Il y a peut-être un contrat aussi qui a été... signé ou qu'on va devoir signer, mais qui est pénible, qui est peut-être... pas vraiment ce qu'on attendait.
Il peut y avoir pour certaines personnes, ah bah c'est pour vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, quelque chose qui fait que ça ne se passe pas comme vous le voulez, il va falloir couper. On s'attendait peut-être à un engagement, on va dire, autre, et ce n'est pas comme on l'attendait. Voilà. Peut-être aussi que certains vont couper une relation, vont couper avec quelque chose de triste autour d'eux. Ce n'est pas forcément du domaine sentimental, hein. Ça peut être un engagement, un contrat, un écrit, voilà. Par rapport à peut-être qu'on n'avait pas tous les éléments, on va en découvrir et de ce fait, c'est un petit peu pénible et on va couper. Alors, voyons voir un peu, ami Verseau. On va avoir des nouvelles concernant les finances. Est-ce que c'est ça qui va vous stresser? Est-ce que de ce fait, vous allez couper certaines choses, pas les faire, ne vont pas se faire comme on voulait qu'elles se fassent? Est-ce qu'il n'est pas question d'un chèque aussi qui s'est perdu dans la nature, là? Question de... En tout cas, il est question de finances. Ça, c'est certain. Des documents d'affaires également. Est-ce que si vous êtes en train de mettre en place quelque chose, il va y avoir de la pénibilité sur certains documents? C'est possible. Des fois, l'administration, c'est lourd, hein. Voyez voir. Dans le couple, au niveau union, on a vu qu'il pouvait y avoir de la tension. Ça peut être sur les finances, hein. Tout simplement, on peut rencontrer des problèmes, on va dire, pour cette rentrée septembre. Pas toujours facile de tout aligner. Quoi qu'il en soit, les nouvelles sont là, elles vont arriver. Regardez, et on va pouvoir récolter. Pour certains, on l'a vu, vous allez couper. Vous allez couper quelque chose, vous allez couper une relation, vous allez couper un contrat, peut-être annuler quelque chose, hein, d'ailleurs, hein, qui ne convenait plus, et on passe à autre chose, hein. Et pour d'autres, on va récolter. On va récolter les finances qui vont risquer d'arriver par courrier, des nouvelles d'ailleurs de finances, hein. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Il peut y avoir quelques situations, on va dire, difficiles à passer, mais quoi qu'il en soit, la finalité est pas mauvaise. Hop, voyons voir quelle couleur de plume pour vous, ami Verseau. Quelle est la couleur de la plume pour vous, ami Verseau? Quelle plume? Waouh, la plume rouge, la plume de la luxure. Ah, ami Verseau. La plume rouge vous met en garde contre les plaisirs éphémères et vils. L'énergie de la tentation est au rendez-vous, mais vous pourriez vous y brûler les ailes. Vos guides vous avertissent que vous êtes en train de renouer avec de vieux démons intérieurs. Mais vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour le comprendre. Magnétisme, pouvoir de séduction doivent être utilisés à de justes fins pour éviter toute désillusion. Alors, ça peut concerner aussi par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, les finances, des dépenses inconsidérées, hein. On a peut-être envie, ami Verseau, d'un seul coup de dépenser ou d'un seul coup bah, d'acheter quelque chose qui est démesuré par rapport à ses finances. Voyez un petit peu comment ça vous parle. C'est peut-être ça, cette luxure, hein, cette envie également. Voilà. Et nous passons à nos amis poissons. Ami Poisson, septembre 2022. Septembre 2022. Septembre 2022. Septembre 2022. À la coupe. Ami Poisson, bon, on attend une lettre qui est bloquée. On attend des nouvelles qui, pour l'instant, n'arrivent pas, les amis. On attend des nouvelles concernant les finances. Pour l'instant, ces finances sont bloquées, retardées. Pourtant, voilà, il y a du soutien, les choses sont là. On va les fêter, hein. C'est retardé que de courte durée, hein. On va même passer par-dessus, hein. Parce qu'il y a de la fidélité, il y a de l'engagement, il y a du soutien. C'est beau, il y a une invitation, il y a quelque chose de lumineux, les finances sont encore là. Ou bien aussi c'est une personne qui est autour de vous, qui a un certain charisme, un bon caractère. Voilà, il est là, je venais de le dire. C'est pour vous, mon consultant, ou pour un homme autour de vous, mesdames. Ça peut être votre fils, si vous n'avez pas de compagnon ou un ami, une personne autour de vous. Ou bien ça peut être aussi votre patron.
Voilà, il y a peut-être quelque chose qui a été bloqué, qui va finalement arriver. Une reconnaissance de votre travail. Alors, ami poisson. Eh bien, vous, ma consultante, une femme proche de vous, l'administration, des nouvelles. Je vous ai dit que vous pouviez avoir des nouvelles de l'employeur. Enfin, une reconnaissance de votre travail. Quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment que pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, hein, si c'est vous, monsieur, qui regardez, hein, il y a quelque chose qui est là. Vous, une femme, ou bien. Alors, vous, ma consultante, si c'est vous qui regardez, ou une femme proche de vous, peut rencontrer quelques problèmes de santé. Cette tour peut représenter un bâtiment, un hôpital, bâtiment public. Vous pouvez rencontrer des problèmes de santé, comme on l'entend, tout simplement, hein, santé, santé. Mais ça peut aussi tout simplement vous rencontrer des problèmes avec une administration. Comment on est étonné, hein, ami poisson? Ça peut être. Tout est rien, hein. Ça peut être les impôts, ça peut être la CAF. Bon, bah, là, on a le couple. Voilà. Donc, pour les couples, il peut y avoir un souci de santé pour une dame. Voyez comment ça résonne pour vous. On voit le soutien de cet homme, d'ailleurs. Il peut y avoir un problème de rencontrer pour un couple sur des démarches, un bâtiment public. Ou bien, ça peut être l'inverse. Moi, je vois plutôt aussi un remboursement, quelque chose d'ancré. Cet arbre, c'est la santé. Il est ancré, il est bien vert. Il peut y avoir des nouvelles pour un couple d'un bâtiment public, d'un organisme public, des nouvelles positives. Alors, si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, vous pouvez, vous, madame, avoir des nouvelles d'un homme qui est peut-être lui à l'hôpital, qui a peut-être des soucis de santé ou qui rencontre un problème avec un organisme public. Ça peut arriver. Oui, il peut rencontrer effectivement un petit souci avec une autorité également autour de lui, où lui-même peut rencontrer des problèmes. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, ami poisson? Ça peut être, ou pour vous, madame, un petit couac, mais rien de bien méchant, hein, ou pour un consultant, vous, messieurs, vous pouvez avoir des nouvelles d'une femme qui rencontre un petit souci de santé. Un couple peut avoir un petit problème avec un organisme public. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, ami septembre, j'allais dire. Ami poisson, quoi qu'il en soit, soyez vigilants. Tout ce qui est organisme public, tout ce qui est, comment on appelle ça, bâtiment public. Voyons voir un petit peu les démarches que vous allez faire. Quelle plume pour vous, ami poisson? Quelle plume pour nos amis poissons pour le mois de septembre 2022? Quelle plume pour nos amis poissons? La plume verte, c'est la plume de la guérison. Donc, quoi qu'il soit que vous rencontriez comme problème, là, on va vers la guérison. La plume verte, j'aime bien cette plume, c'est la guérison. Cette plume vous invite à avoir confiance en vos capacités de guérison, qu'elles soient physiques ou psychiques. Vous avez la possibilité de vous réconcilier avec toutes les parts en souffrance de votre âme. Mettez davantage de conviction dans ce que vous entreprenez. La plume verte vous invite à la pleine conscience des révélations de l'origine de vos douleurs sur votre chemin. La plume verte, la guérison, ami poisson. Voilà. Voilà, mes amis, pour notre septembre 2022. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé ou vous parlera. N'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas que c'était un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Et je vous invite aussi à regarder signe solaire, lunaire, votre ascendant. Ça vous fait trois vidéos. Vous prenez les messages qui vous parlent, vous faites votre petite sauce à vous et voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent mois de septembre. On se retrouve pour les tirages de la semaine, les tirages journaliers. On reprend nos habitudes, tirage
week-end général et sentimental également. Je vous réitère mon intention de faire ce petit concours aux 1500e abonné. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre des pouces, j'aime, à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt.